suis à la gare de Tours depuis presque une heure. Mon changement aujourd'hui de train est à la gare de Tours et ça dure longtemps. Il fait très chaud, sans surprise. J'imagine qu'on part de la chaleur assez suffisamment longtemps et partout. Je coule, je suis juste assise là et je bouge même pas. L'air ici il est complètement stagnant, en fait c'est complètement fermé. C'est très très chaud. J'ai un voyage assez long devant moi. Je vais arriver je pense vers 21h. Et entre temps, eh bien, j'ai beaucoup d'attentes dans les gares. Là j'attends mon train pour aller à Austerlitz. Il devrait être bientôt là. J'hésite juste à aller à un autre endroit pour respirer plus, peut-être même un peu dehors, tellement c'est insupportable ici. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai un intéressant voyage, j'ai vu des gens rigolos, j'ai vu ce jeune homme qui faisait un cubic Rubik très très vite dans le train. Je crois qu'il regardait des différentes méthodes pour le faire, c'était vraiment... Je sais pas comment dire, on pouvait pas tourner les yeux. Je regardais tout le temps, il le faisait tellement vite, c'est genre c'est tellement vite. C'était son talent. Voilà, donc je vais m'occuper comme ça en regardant des gens. J'ai plein de films téléchargés, j'ai de la musique, bref, j'ai tout ce qu'il faut. Et dans les trains, je sais que la température est parfaite, donc je m'inquiète pas. J'ai juste envie d'arriver et que le voyage se passe bien. Mais comme j'ai beaucoup de temps d'attente entre chaque train, je m'inquiète pas parce que même si c'est en retard, ben, j'aurai mon train. Voilà, donc prochaine station c'est Paris, je devrais changer de gare, attendre encore et prendre mon train, juste le dernier train, donc il m'en reste deux. Voilà, mon train est déjà là, un peu plus tôt, puisqu'il part ici. En fait quand on marche, il fait beaucoup moins chaud, donc j'aurais dû marcher tout ce temps, j'aurais mieux supporté. Je vais me trouver une place ici, c'est pas un train rapide, c'est pour ça que les billets ils étaient pas très chers. Mais comme c'est vraiment la première gare, il y a plein de places, donc c'est parfait, je vais me trouver un endroit cosy. J'ai de l'eau, j'ai de quoi grignoter, des petits trucs sucrés. Je vais me mettre quelque part ici. Là ou là. Après, j'imagine qu'il part par là, donc il vaut mieux se mettre plus vers l'avant, pour moins marcher, au moins au milieu. Je vais me mettre dans la voiture 5. Et il y a encore de la place, parfait. Donc on a la valise. Maintenant à la gare de l'Est depuis près d'une heure. Ça là, c'est du mouillé. Il coule de partout, il fait chaud. Dans le premier train, il y avait de la clim au début. Puis il y a eu un souci. J'ai senti en fait que j'arrivais plus à respirer, je ne comprenais pas pourquoi. Je suis sortie du wagon. Je suis allée un peu plus loin dans la première classe. Là il y avait tous les contrôleurs et ils ont dit qu'il n'y avait plus d'électricité. Donc il y avait de l'air que dans la première classe. Du coup, je me suis déplacée, j'ai emmené avec moi genre une femme enceinte et une autre femme qui était plus âgée. Je dis à tout le monde qu'ils pouvaient aller là-bas pour respirer, mais il y en a qui n'ont pas cru en fait. Du coup, ils sont restés là. Mais heureusement, le train a été réparé, on a pu repartir, sinon on serait resté là-bas pour longtemps, longtemps, longtemps. Donc je suis bien arrivée à Paris et c'est même pas la chaleur en fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'air. Je me suis mise là près de la porte, il y a un peu d'air, mais je crois que mon train vient d'être annoncé là. Je pourrais rentrer ben là où il y a plein de monde, juste là. Il me reste 2 heures de train, je pense, et le temps qu'il est, le temps qu'il parte aussi, après une demi-heure. Donc bientôt, bientôt, je suis arrivée. J'ai très très envie d'arriver, c'est dur ce voyage, c'est long. J'ai eu vraiment de tout. J'ai eu des gens très très gentils et j'ai eu des gens très méchants. Je vois que ma caméra elle a un gros souci. Qu'est-ce ? En fait ma caméra aussi elle chauffe de chaleur, c'est ça ? C'est quoi cette merde ? Ouais, ma caméra n'est pas à l'aise, je crois que là c'est mieux. Je l'avais pas remarqué.
J'espère. Ah bah non, c'est pas mieux. Elle est pas à l'aise, elle est pas à l'aise. Hein. Je me sens un peu comme l'image là, à peu près pareil. J'arrive pas du tout à croire que je suis arrivée. C'est pas possible. Ah, malgré ma fatigue, grande fatigue, j'en pouvais plus là, les 2 heures du train sont parues très longues. Malgré ça, le fait de voir ma ville m'a fait un grand sourire. Je suis contente. Alors ici, il fait chaud, mais on sent un petit peu l'air de la nuit qui est rafraîchissant, donc juste bien. Même si je sais que les prochains jours, ça va être chaud comme partout. J'appréhende un peu de voir comment va ma maison. J'espère que tout le monde va bien, que tout va bien. Voilà, plus que quelques pas à faire avant de savoir comment mon appartement a survécu à mon absence. Et ensuite, repos dans la soirée. C'est l'heure de la vérité. Comment tout va ici? Oh mon dieu. Oh, ça sent bien. Hop. Valise à la place où je l'avais prise en partant. On va faire le tour de la maison pour voir comment on va tout, comment vont les plantes, les poissons, bref, tout. Cuisine. Waouh! Les plantes vont bien, il n'y a plus du tout d'eau. Ce truc est sec, mais les plantes sont vertes, elles vont bien. Ensuite. Ensuite, sur le balcon, c'est la forêt. Ok, sur le balcon, tout est genre vert de partout. Là, tout est... C'est un petit peu sec, ça. Mais franchement, ça a poussé comme il n'y a pas. Ici. Dans le salon, il n'y a rien. Bureau. Manqué, qu'est-ce que tu es beau, tu vas bien, tu es mon serpent très beau. Oh mon dieu, trop content de te voir bébé. Et les poissons, est-ce qu'ils vont bien? Alors on va voir, ça a l'air bien vert. J'espère qu'ils sont pas morts en fait. Ça bouge dedans. Je vais allumer la lumière. Oh là là, c'est bien vert. Ça a bien pris le vert là. Mais il y a encore des poissons en vie. Je ne sais pas s'ils sont tous en vie. En tout cas, il y en a. Donc je vais encore bien regarder pour voir si tout le monde a survécu. Mon dieu, j'ai une tête à faire peur. Mais je suis rentrée, Dieu merci. Bon, au moins un petit peu les poissons vont bien. Au moins un petit peu Mercure va bien. Tout le monde va bien. Donc c'est grand yay, je suis très contente, tout va bien, je vais défaire un peu mes affaires, prendre à boire et me détendre, me reposer, peut-être prendre un bain, enfin bref, passer une bonne soirée. Alors non seulement les poissons sont visiblement plus ou moins vivants, mais en plus j'ai des bébés. Et oui, ça c'est encore des bébés Molly. Et c'est sûr qu'ils sont nés pendant que j'étais pas là. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en compte 6 là. Dans ce broie bras vert. Waouh! Ça, c'est un beau cadeau! C'est un beau cadeau! Une belle naissance, mon Dieu! Je trouve qu'ils ont un petit peu perdu de couleur là, les poissons. Ils ont besoin de peut-être d'une autre nourriture là. Je vais leur donner une ouverture. Enfin, voilà, différemment de la nourriture que quand c'était avec ce truc. Mais il a bien tenu. Il a fait du bon boulot, il y a encore plein de bouffe dedans. Donc c'est top. Peut-être que, je ne sais pas si tous les poissons sont vivants, je vais les compter vraiment demain, je vais les laisser dormir là. Et je pense que je vais enlever tout ça demain pour ne pas déranger les bébés là qui sont en train de se cacher dedans. Mais c'est un truc de fou. Hop là, il y en a un qui vient de tomber. Ça va toi? T'as pas eu peur? Waouh. C'est trop beau. Ça, c'est vraiment une... Je sais pas, quand je vois ça, mon âme chante. Ça me fait tellement plaisir.